Un public multinational a vibré samedi soir à la place Moulay El Hassan au rythme d'une musique au cachet mondial proposée par l'artiste libanais Ibrahim Malouf à l'occasion de la troisième soirée du 17e festival Gnawa et Musique du Monde. Entre l'histoire et le futur, il y a toujours un point commun, et entre mes inspirations et ce que je fais et le futur musical que j'espère avoir, il y a ce point commun. Et ce point commun pour moi, c'est mon père. C'est lui qui m'a offert tout ce que je sais faire aujourd'hui, que ce soit tout ce que j'ai appris à faire avec lui dans le cadre de la musique classique, mais aussi dans le cadre de la musique arabe. Ça, c'est vraiment mon inspiration principale, et quand je joue aujourd'hui, je pense tout le temps à mon père et à tout ce qu'il m'a donné. Et en même temps, je suis comme vous, j'ai un jeune, je dirais, de génération d'aujourd'hui, avec une influence, influencée en tout cas par Internet, par tout ce qu'on peut trouver, par... Quand je pense à il y a 50 ans, les artistes n'avaient pas la chance qu'on a aujourd'hui, nous, de découvrir toutes les musiques du monde. La musique jouée par Ibrahim Malouf fut une musique joyeuse, profonde, rythmée et parfois envoûtante qui réfère à plusieurs cultures sans appartenir à aucune d'elles et dans laquelle chacun s'y trouve, sans vraiment parvenir à lui coller un nom.